précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme, Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en viens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Y a quelqu'un ? Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été ? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café, ça te réchaufferait. Salut les chéris, c'est moi. C'est Peter Wake. On se retrouve sur Alan Wake. Ça fait déjà 2 semaines qu'on a tourné, que j'ai publié le 2e épisode. Ça fait un peu long. Entre-temps, il y a eu les vidéos d'Halloween et tout. Donc je suis encore plus content de vous retrouver sur ce jeu. Et purée, dis donc, dehors c'est la tempête, hein, regardez-moi ça, à New York. Donc voilà, petit flashback après le précédemment dans Alan Wake. C'est toujours classe, je trouve, ces trucs à la version série américaine dans les jeux. Ça fait toujours son petit effet, je trouve. Alors, bon, on va allumer la cafetière. Hein. Apparemment, on vient d'emménager. Non, qu'est-ce que Merci. C'est que ça? Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle fait déjà comme métier? Enfin, qu'est-ce qu'elle faisait? Parce que pour l'instant, on est sans nouvelles d'elle, sans nouvelles d'Alice à Bright Falls. Ouais, donc on a reçu une nouvelle télé, apparemment. Alors, oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Ah, elle est graphiste. Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire Jolie... toutes sortes de miracles. Jolie Jean. Oh, vraiment? Eh bien, tu semblais plutôt de cet avis hier soir. Oh, d'accord. Ok. On veut pas en savoir plus. On veut pas le savoir. Donc, apparemment, elle nous aide pour faire les couvertures de nos livres, apparemment. Bah, c'est toujours gentil, hein, toujours sympa. J'aime bien faire le tour. J'aime bien faire le tour surtout dans des coins un peu tranquilles, comme ça. Je me rappelais un peu de ce flashback. Mais je me rappelais pas, par contre, que ça intervenait aussitôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a à examiner? Très réussi. Ouais. Ah ouais, classe. Enfin, eh ben, c'est la maquette. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé. Oh. Alan. Attendez, je ramasse la page de manuscrit. Un œil au fusible. Ah, c'est vrai que Alice a peur du noir. Alice a peur du noir et une peur panique du noir. Alors, on va lire tout ça, écoutez. Hein. On va prendre notre temps, comme d'habitude. The sudden stop, l'arrêt soudain. Sur les chutes et leur fin quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige. Les scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit comme une sorte de snuff movie personnel. Un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement, encore des métaphores. La femme fatale était partie. Seul demeurait le goût amer de son baiser meurtrier. Et donc on a une deuxième page en bonus. C'était un adieu tardif. 13 ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige de rouge, une boue horrible. Répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts, se mêlant à la bile de la ville, ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Chérie, je suis rentré. Alors, je vous explique, en même temps qu'il y a la voix bizarre, très inquiétante, qui lit la page, il y a mon chat qui vient gratter à ma porte. Sur le coup, ça m'a fait un peu flipper. Et le chéri, je suis rentré, ça renverrait pas justement à ce qu'on vient de vivre quelques minutes plus tôt. Dépêche-toi. Bon, en tout...
Ouais, t'inquiète Alice. Elle est où d'ailleurs? Elle est. Je suis juste là, mon cœur. Oh, c'est mignon. Remets juste l'électricité. Vite, s'il te plaît. Ok, les fusibles sont là, voilà. Toujours galère, les fusibles. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Et salut. Hop, on t'éclaire la tronche. Je suis désolée. Ça, tu veux plus rien. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur ? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Peut-être qu'il t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Le bisou. Oula, là c'est plus qu'un bisou, à mon avis ça va dégénérer là. Voilà, c'est mieux qu'on s'en aille. Non, ça me fait penser à Fahrenheit presque comme décor, un peu comme ça, New York, le froid, tout ça. Alors, Bright Falls de nos jours, malheureusement, Alice n'est plus là. Comment vous sentez, monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Très mal. Hein. Ça va, ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital, sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites, vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Une drôle de tête, lui, j'aime pas trop. Bon, eh bien, c'est terminé, monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. C'est le médecin, vous pouvez y aller. Et on est où? Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Ah, d'accord. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. On est au bureau du shérif. Le docteur Nelson était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. Désolé que vous ayez dû interrompre votre partie de pêche, Doc. Ah d'accord, c'est eu, je me disais, qu'est-ce que... La taille de ce poisson? Qu'est-ce qu'une canne à pêche fout sur le bureau comme ça? Si vous voulez bien croire à un vieux pêcheur comme moi, mais il est pas mal du tout. Alors, c'est une perche à grande bouche. Un classique quand on utilise un leurre. Pour la truite ou le saumon, par contre, il faut opter pour la pêche à la mouche. Vous Écoutez, aimez pêcher, pour les pêcheurs monsieur parmi Wake? Vous... Oh, j'imagine que c'est pas très important. Moi, je trouve ça très relaxant. Personne pourrait me sortir de l'eau à cette période de l'année. Pour moi, c'est vraiment le paradis. Je veux bien vous croire, Doc. Non, de Zeus, Doc. Donc voilà, on fait un peu le tour, écoutez. On fait un peu le tour, on a plein de choses à se dire en plus. On a plein de choses à se dire. Ah oui, la première chose que je voulais vous dire, très bonne nouvelle. Enfin, il y a à peu près deux jours, je crois. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah d'accord, il chante. Pendant que je vous parle en même temps, je vais baisser le son de... J'ai encore augmenté le son des dialogues, mais je vais baisser le son des cinématiques parce que je m'aperçois qu'il est vraiment trop fort par rapport au reste. Il y a 2-3 jours, on a appris que... Alan Wake 2, la suite d'Alan Wake, enfin vous allez me dire Alan Wake 2 c'est forcément la suite d'Alan Wake, ça va pas être la suite de Halo 5, non c'est, voilà, donc Alan Wake 2 a été confirmé enfin par le producteur du jeu. Jusqu'à maintenant on savait pas, il laissait planer le doute, c'était peut-être que oui, peut-être que non, maintenant oui, et quand on lui a demandé, aïe, je suis en train de foutre en l'air tous mes écouteurs et mes oreilles par la même occasion. Ça m'a tiré les oreilles, ça fait mal. Quand un journaliste lui a demandé est-ce qu'on aura un jour la possibilité de jouer à Alan Wake 2, il a répondu oui. Un oui net et précis. Donc voilà, super bonne nouvelle. Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant. M'en dirait pas, hein. Permettre d'être imprudente, adjointe grande. Ah, encore elle. Il va falloir changer les ampoules et vous ne pourrez pas le faire dans le noir. Je n'y manquerai pas, Miss Weaver. Passez une bonne journée. Très bien. Je repasserai plus tard pour vous le rappeler, au cas où. Elle serait pas au courant de quelque chose, elle, avec le noir, Monsieur tout Wake, ça. Le shérif vous attend dans son bureau au bout du couloir.
d'accord. T'as une drôle de voix, toi, quand même. C'était Cynthia Weaver. Elle est en quelque sorte l'illuminée du coin. Avant, elle était la responsable du journal local, mais elle se consacre à d'autres choses, désormais. Elle serait très bien là d'où je viens. Comme vous voyez, elle veille sans arrêt au bon fonctionnement des ampoules, de toute la ville. Elle refuse de marcher dans l'ombre, ce genre de choses. À l'époque, elle écrivait tout un tas de trucs bizarres dans le journal. Bright Falls a un passé haut en couleur. Mais c'est le cas de toutes les petites villes, pas vrai? Ouais. Elle est au courant de quelque chose, elle, à mon avis. Et oui, donc Alan Wake 2, qui sera la vraie suite, puisque entre temps, il y a eu American Nightmares. Un très bon petit jeu, d'ailleurs, qu'on testera... un peu après qu'on aura fini Alan Wake 2. Enfin, Alan Wake le 1, déjà, ce sera bien. Ah, une page, là. Est-ce que c'est une page du manuscrit, encore? Purée, il y en a jusque dans le commissariat, c'est quoi ce bordel? Alice, voyons. Alice regarda par le viseur, alignant la prise de vue. Cauldron Lake était fantastique. Une chose attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre du chalet, comme une femme frêle vêtue d'une robe noire. Elle baissa l'appareil photo et regarda à nouveau. Personne. Seulement quelques buissons ayant vaguement forme humaine. Elle secoua la tête en riant. Ça, c'est la saloperie, ça, qu'on a vu dans le café, justement, qui nous a donné les clés du chalet. Elle est pas nette, celle-là. Examinez. Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station-service de Stucky avec Thornton. Aucun signe de lui. Terminé. Attends. Ouais, c'est Thornton. Bon, pour info, on a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Terminé. Ah, rends-moi ça. C'est Mulligan. On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici. Terminé. Ok, bien reçu, les gars. Pas moi. Continuez à chercher Stucky. Terminé. Ouais. J'espère qu'ils vont pas découvrir que c'est moi qui lui ai tiré des fusées éclairantes dans la tronche, quoi. Le shérif alors, veut vous c'est voir pas dans où son bureau, monsieur Wake. Oui, d'accord. Ah, mais c'est là le bureau, je crois, non? Le bureau du shérif, s'il vous plaît, c'est par où? Je pensais que c'était par là, moi. Ah, ça va être par là, voilà. Le bureau du shérif, c'est écrit en plus. Lire, qu'est-ce qu'il y a? Disparu le 20 juin 2007. Caractéristique, adore remporter des concours. Ouais. Parti en excursion en retard, aucune nouvelle de 1. À mon avis, on a dû les buter, ça aussi. Si vous les avez vus, vous savez où ils sont. Appelez au 555, machin. Bon, on n'appellera pas parce que... Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Oh, c'est gentil, ça. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr. Je m'en souviens plus. Ça va être difficile. Disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Un peu de pub pour un opérateur américain. Allô? Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé Lover's Peak, à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous avez l'œil. Ok, mec. Oh putain, ce sera un enlèvement. Tiens, il y a encore une boîte à fusibles, là, décidément. Il y a des boîtes à fusibles partout. J'ai besoin de prendre l'air. Je peux sortir? À l'arrière, si possible? Bien sûr, monsieur Wake, je comprends. Vous pouvez passer par les cellules. L'adjointe Grant va vous montrer le chemin. Désolé. Toute cette histoire, c'est beaucoup à encaisser. Prenez votre temps, monsieur Wake. Je comprends. Je peux vous demander qui vous a appelé, monsieur Wake? C'est personnel. Écoutez, il n'a pas l'air stressé si déjà en répondant aide, ça. Vous allez devoir coopérer. Donnez-moi un instant. J'ai besoin de souffler un peu. D'accord. Vous me trouverez ici. On discutera quand vous vous sentirez mieux. Bon, ça va, elle est gentille. Hein. Elle est gentille parce que vu comment on lui répond, ce serait limite pas passé. Hein. Alors, derrière le bureau du shérif... Attendez, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais, non. C'est les affiches des disparus. Monsieur Wake, je peux vous renseigner? Oui, j'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules.
Ne faites pas attention à Walter en passant. C'est un de nos habitués. Je croyais qu'il avait arrêté l'alcool pour de bon. Oh, il faut croire que non. Ah, par là, voilà, ça c'était fermé. Il a une belle dérouillée à Danny. Il a pas arrêté de hurler depuis qu'il est réveillé. La lumière. Et les aides-joies, ils comprennent pas. Ils veulent pas m'écouter. J'ai besoin d'y voir clair là-dedans. Ouais, t'as l'air bien bourré, mon gars, toi. Ah tiens, il y a une cellule ouverte. Ah, avec une page, pour changer. Alors, l'ombre noire au dîner. Au dîner, je crois. Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre café, noire là. D'intelligente. Car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela. Il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. Donc l'ombre noire, ce serait la vieille. Là. Ok, ce serait la vieille en personne. D'accord. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Mais d'abord, faut regarder dans la voiture, non? Ah non, c'est peut-être pas celle-là. Alors attendez, là-bas, il y a plein de trucs. On va écouter Pat Maine à la radio d'ailleurs, ce bon vieux Pat. Eh bien les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, oh, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du shérif. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grand-rue. Oh, y a pas que ça, mon gars. Y a pas que ça. Tu as affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête après avoir terminé leur char pour la fête du cerf. Voyons les amis, c'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie pour le jour J et rangez vos armes jusqu'au concours de tir. Compris? Allez, patience. La fête n'a pas encore commencé. Ah, j'adore sa voix au. Oh. À ce cher Pat Maine, j'adore sa voix. Et ouais, je me disais le aussi par rapport dit à la Alan Wake 2. Un trou dans la clôture, derrière le bureau du shérif. Quelque chose m'attendait dans une voiture abandonnée. Alan Wake 2 avec les. Déjà, c'est beau, hein, là. C'est un jeu qui a 5 ans quand même. Mais Alan Wake 2 avec des graphismes de maintenant, même de demain, hein, puisque malheureusement le jeu, je pense pas qu'il soit encore en développement. Ça devrait pas tarder, mais. Mais voilà. Et bah, on passe comme ça, d'accord, ok. Et Alan Wake 2 avec des graphismes au goût du jour, ça va vraiment être sublime, je pense. Hein. Ça va être sublime de chez sublime. Wake a lover's peak. Le ravisseur tira ce qui va arriver quand on va y aller. Et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak, la chute d'eau et la montagne dans notre dos, les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme? Arrête ton char. Arrête ton char. Où est ma femme? Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Oh l'enfoiré. Ah, Barry. Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Brightfold. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al, mais qu'est-ce que... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Bon, ça va peut-être faire du bien d'avoir, d'avoir quelqu'un sur qui compter, en la personne de ce bon vieux Barry. Il va nous être utile. Bon, on va retourner voir le shérif, je pense que c'est le mieux. Ah bah il s'est calmé lui, c'est bien. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon. Tout est possible. J'écrirai mon histoire. Je la sauverai. Bizarre. Tout ça et lui, qu'est-ce qu'il est devenu, là? Ah bah, il dort. Ça va. J'ai cru qu'il était mort. J'ai eu peur. Activer l'interrupteur. Bah tiens, on va lui ouvrir la lumière, à lui. Régler les problèmes que les frères lui faire plaisir. Auraient pu causer par inadvertance lors de leur
Regrettable petite escapade. Ils ne sont pas responsables de leurs actes, bien entendu. Je vous assure que mon personnel a été réprimandé. Ah, c'est le docteur. Thor et Odin n'avaient jamais causé de tort à personne quand ils vivaient encore dans leur ferme. Thor et Odin. En effet, tout ce que l'on peut faire, c'est pas des dieux nordiques, ça. Ralentir la progression de leur démence. Ça s'appelle docteur dont on avait parlé, ça. J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de que votre. Vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emil Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh non! Arrêtez ça! On n'arrange pas notre cas, là. Hein. Hey, que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler. Le mec qui rentre dans un commissariat en disant que personne ne bouge. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Quand même, hein. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Il est pas net, lui, hein. Parce qu'un mec qui te met un pain, en général, tu persistes pas de l'inviter, quoi. On n'a vraiment pas besoin de ça, après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Ah, je l'aime déjà, Barry. Je l'aime déjà, je sais pas vous, mais j'adore ce personnage. Alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Oh, coucou Rose. Alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Oh. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. C'est qui, Max? Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. Il a l'air ravi, lui aussi. Oh, coquin, Barry. C'est coquin. Qui, Max? Sa voix me dit quelque chose à Marie. Je sais. Ah, Barry. C'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute. C'est une fille très gentille. Et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Elle t'a même dédié un site de fan. Ah ouais, à ce point-là. Elle est à fond dans le délire, elle. Squelette d'un mammouth de colombe. De colombe, je sais pas. Ce spécimen, âgé d'environ 14 000 ans, était offert à... Baptisé Charlie, il est dans l'ongue. C'est la mascotte officielle du parc. Ah, c'est toujours aussi beau, hein. On va se balader un peu dans le musée, hein. Écoutez, si cet épisode dure une heure, bah, il durera une heure, hein. De toute façon, je viens de sortir d'un tournage de une heure sur Knock Knock. Je peux vous dire que quand vous passez une heure sur ce jeu, bah, vous commencez à devenir un peu timbré, hein. C'est... vous verrez ça d'ici quelques jours. Ce que tu dis. Écoute-toi parler. Ouais. T'as tiré sur un type et son corps a disparu. Ça ouais, tout à fait. T'as, pas dormi. T'es défoncé? T'as bu ou quoi? Bon sang, écoute Marie, j'ai oublié toute d'ailleurs. Une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non, mais enfin, toute cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité... Tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Bon. Ouais, c'est pas faux qu'on a peut-être pas intérêt à dire ça à tout le monde. Franchement, hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vais dire ça à chaque épisode, mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis sûr qu'il y a un truc, il y a déjà une thermos, là. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Enfin, logiquement, ça débloque des images ou des trucs comme ça. Mais je me suis pas encore penché sur le sujet en fait. Bon, on va voir. C'est qui? C'est Rusty, je crois, qui s'occupe de Max. Je sais pas qui c'est, Max. Maxou. Doucement, mon gars. Ah, c'est un chien. Bientôt fini. Hé, hey, Rusty, oh, c'est ça? Pauvre. Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerais bien la main, mais je peux pas trop là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les dents longues. Ok, pas de problème. Bon, allez, hop. Pourquoi? Pourquoi quoi? J'ai pas compris, là. Pourquoi quoi?
Tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Al, reconnais que c'est une histoire de dingue. Si t'essaies de te payer ma tête, ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre? Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Al. Tu peux arrêter maintenant. Il est bavard, hein. Putain, Barry, je comprends pourquoi il arrêtait pas de nous... Il arrêtait pas de nous appeler, il avait envie de discuter, quoi. Elderwood. Oh, classe l'affiche. Apporter le formulaire à Rusty. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, les copinous. On va s'y rejourner apparemment dans un chalet, dans les bois. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais bon. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. En fait, on ne paye rien, quoi. Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Bah ça a l'air, de jour en tout cas. Après de nuit, à mon avis c'est un peu plus dangereux. Gardez l'œil sur le pylône. Il se trouve juste en dessous. Bon, écoutez, je me rappelle à l'époque où c'est sorti ce jeu. Tiré sur un mec et qu'il a disparu. Oh, désintégré. Tout le monde s'extasiait sur ces paysages. Clair avec une lampe torche. Avec ce genre d'histoire tiré par les cheveux. C'est la camisole de force qui t'attend. Attaché à ton propre lit et enfermé dans une chambre, au mur capitonné. Bourré de pilules à longueur de journée. Oui, c'est bon, on a compris. D'habitude, tu te moques des gens qui croient à ce genre de conneries. C'est toi le sceptique. Le mois dernier, tu m'as fait un topo de plus d'une heure sur l'homéopathie. Comment on dit déjà? S'il n'y a pas de preuves, c'est que des conneries. Point final. Faut croire que ouais, mais tort. Il est partout, lui. Ah, le bon sang. Bon, d'accord. J'ai essayé de sortir par là. Quelque chose de bizarre. Non, faut bien arriver. Sortir okay. par où on est arrivé en fait. D'accord. Ben, ok. Merci du soutien en tout cas. Tout ce que je demande. Ah mince, je l'ai coupé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il aura l'occasion de nous saouler un peu plus tard. La preuve. Hein. Donc là, on est arrivé au chalet. Ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer. Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Loverspeak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici. Et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Oh le pauvre, il est enrhumé en plus. Il fait penser un peu à Bill Murray, lui. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. C'est pas sympa comme petit chalet. Oh, cet endroit veut ma peau. Je te parie qu'il y a de la moisissure, des spores. Après, faut aimer le bois, hein, mais bon. Je sais quoi encore. Ça vaut et la forêt. 15% de commission. Très drôle, ah non. Al. Très drôle. Merci. Je vais rester ici dans le noir en attendant que tu reviennes. Ah ouais, non, surtout pas dans le noir d'ailleurs. Ramasser des piles. Ouais, ça des piles, on va en avoir besoin. Est-ce que j'ai toujours le flingue d'ailleurs? Non, j'ai pas le flingue. Hein. Ah bah oui, forcément. On a dû le jeter pendant que... On a dû le jeter, je pense, quand les flics sont arrivés, c'est un peu normal. C'est un peu plus prudent, surtout. Bon, j'espère qu'on va vite en retrouver un. Et un fusil de chasse aussi, parce qu'on avait un fusil de chasse. Bon... En fait, ça va être direction, je sais pas où. On va suivre le chemin de toute façon, on va suivre le sentier. On va pas faire les fous. Ah si, on l'a toujours. Gardez le fort. Mais mon esprit t'accompagnera jusqu'au bout, Al. Allez, je ferme maintenant. Allez, d'accord. Ferme-la maintenant, t'as raison. Ah, une page du manuscrit. C'est la voiture de Barry. Barry doute de la santé mentale de Wake. Moi, on a vu ça. Alice, mais il savait qu'Alan l'aimait d'une passion presque inquiétante. Et voilà qu'il était arrivé quelque chose à Alice. Et Al, une arme au poing, racontait des trucs qui auraient envoyé d'autres malchanceux à l'asile. C'était comme si son ami avait traversé une énorme crise psychotique et qu'il était à présent totalement déconnecté de la réalité. Barry en était terrifié.
Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a bien un truc qui va nous servir, à part une chaise. Non, il n'y a rien du tout. Utiliser. Ah, on peut utiliser la voiture de Barry. Ah bah c'est cool ça. Je sais pas, je me rappelais plus. Je me rappelais plus qu'on pouvait utiliser des véhicules. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Barry avait les clés de la voiture qu'il avait louée. L'office de tourisme n'était pas loin, et la voiture ne me servira à rien du tout en forêt. Ah d'accord, ok. Bon, c'est noté. Bon, on est reparti dans la nuit. Dans la nuit noire et sombre. Des environs de Bright Falls. Et je pense que va pas y avoir que les hiboux. Ok, on a plus le fusil de chasse par contre. Bon, d'accord. Ce que je voulais vous dire, parce que j'ai plein de choses à vous dire, ça fait déjà une demi-heure qu'on tourne, mais j'ai plein de choses à vous dire, c'est que bientôt, je sais pas quand, en tout cas, je suis en train de travailler sur une petite intro pour la chaîne. Oh putain! Oh, le Comte Corbeau, là. Comte Corbac. Purée. Je travaille sur une petite intro, alors ça risque de me prendre quelques heures de boulot, hein. L'air de rien, parce que c'est sur un logiciel que j'utilise pas, qui a des possibilités assez poussées d'ailleurs, hein, mais que je connais pas encore, donc va falloir me familiariser un peu avec. Mais ça va donner quelque chose de cool, du moins j'espère. Notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf? Mon programme? Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas de programme. Je vais juste profiter écouter les grosses têtes. De l'atmosphère. Vous savez, je suis un peu trop rouillé pour faire plus que ça de toute façon. Oh, à qui le dites-vous? La course en sac se fera sans... Oh putain! Pas vrai? Exactement, oh. Pat. Mais je vais assister à la parade, bien putain, sûr. Et je ferai aussi partie du jury pour le concours de tarte. C'est vrai que cette activité demande un autre type d'effort. Ça oui, c'est pile dans mes cordes. Blague à part, Doc. Vous êtes plutôt en forme. Vous êtes un homme d'extérieur et je sais que vous aimez beaucoup la pêche. Et comment? D'ailleurs... J'ai pris une jolie perche à grande bouche pas plus tard que ce matin. Ouais, on est au courant, on est Mais au courant. Vous n'allez pas participer au concours de pêche? Non, non, pas cette année. En fait, Pat, je n'ai plus vraiment l'esprit de compétition. Maintenant, je préfère prendre mon temps et en profiter. Et c'est pas drôle si je dois faire attention à ce que je pêche, vous comprenez? Étant donné votre palmarès, les participants de cette année sont sûrement ravis d'entendre ça. Et c'est gentil à vous de dire ça, Pat. Bon, je tiens un peu à écouter au minimum les conversations de... les émissions radio, parce que ça participe un peu... Putain, où est-ce qu'il est barré, lui? Ça participe un peu à l'immersion, quoi, à l'ambiance, à tout le background. Purée, je sais même pas, c'était pas Barry quand même qui s'est fait posséder par l'ombre noire, hein. Non, j'espère pas. Ok, d'accord, on se calme. Ouais, donc voilà, une petite intro, je vais commencer à travailler dessus, j'espère que ça va faire un truc bien sympa. Oh putain, c'est vrai que c'est ce qui manque à la chaîne depuis... Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça manque à la chaîne depuis pas mal de... Bah, ça fait un an que la chaîne existe et elle a toujours pas d'intro, donc ça n'est pas très pro tout ça. Hein. Mais bon. Bon, il va se passer un truc pas cool là. Je le sens. Me demandez pas pourquoi je le sens, voilà. C'est des trucs, des. On peut pas expliquer, hein. Une caravane. Toujours une putain d'ambiance. D'ailleurs, les cinématiques sont toujours un peu. Oh putain! Non, non. Ah oui, c'est vrai qu'on. Je crois qu'on peut pas tomber en fait dans Alan Wake. On va speeder un peu, hein, parce qu'on va pas mettre trois plombes à... Allez, passe par-dessus la barrière, mon petit Alan, vite. Voilà, c'est mieux. Attendez, ouais, non, c'est pas de là d'où on vient. On va regarder s'il y a un truc. Oula, c'est quoi ce bordel? Les états, chalet, là. Ouais. Ah. Je pense qu'on va encore avoir le droit de se voir en train d'écrire le roman.
Ah non, la Twilight Zone. Crime et châtiment. Enfin non, la zone X, pardon. Le cancer est le remède de la civilisation. Mais certains crimes sont impossibles à punir. Surtout dans la zone X. L'épisode de ce soir, L'homme dans le miroir. Il est là-dedans, monsieur. C'est un cinglé. Donc passez, avancez de quelques minutes, hein, si vous voulez pas voir l'émission Zone X. Oui, mais pourquoi faire ça? Enfin, vous êtes un type bien, normal. Vous avez emmené votre fils au foot, et là, pendant le match, vous attrapez un type pour, je cite le rapport de l'agent qui vous a arrêté, porter des coups dans la tête de la victime à de multiples reprises, et ce, à main nue. Hein, pas en jette, pas vrai? Vous n'êtes peut-être pas un littéraire. Bon, donc vous le frappez. Pourquoi? Qui était ce type? On n'a pas pu l'identifier. Pourquoi un gars comme vous ferait une chose pareille? Sa tête ne me revenait pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que vous y êtes pas les mains mortes. C'est dingue, on connaît même plus ce type. Et pas de pièce d'identité. Ça doit être difficile. Alors on a analysé ses empreintes. Et on a trouvé. Les vôtres. Les mêmes. Ah, et ben ça alors. Votre fils dit que vous portiez une chemise blanche en allant au match. C'est le mort qui porte la blanche. Tiens, bizarre ça. Elle est toute rouge maintenant. Vous vous en tirerez pas comme ça. Non mais vous croyez franchement que je me préoccupe de tout ça? J'ai eu le temps de parler avec mon fils avant que les flics débarquent, vous savez. Il n'arrête pas de hurler, pas vrai? Vous pensez qu'il va s'en remettre un jour? J'ai laissé mon empreinte. Vous pouvez me croire. Ouh, espèce de salaud! Quoi? Vous allez me tirer dessus? Ça servira à quoi? Je vais aller en prison. Vous m'avez chopé. J'y comprends plus rien du tout. Et vous ne comprendrez jamais. C'est pas grave. On se reverra peut-être ici, peut-être. Peut-être dans le miroir. Waouh. Waouh. Toujours aussi bizarre ces petites émissions de la zone X. Night Springs. Ça me fait penser d'ailleurs à ces légendes de sosie, de double, de doppelganger, je crois qu'on dit. Je sais même plus, je crois que c'est de l'allemand d'ailleurs. Oh putain! Non, c'est les corbeaux, tout va bien. Je crois que les corbeaux sont aussi dangereux, hein, il me semble. Et paraît que si un jour on voit notre double, notre sosie parfait, notre doppelganger, bah, ce même jour ou le jour d'après, on meurt. Voilà, c'est une légende qui court. Est-ce que vous avez déjà croisé votre sosie? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, voilà, j'étais dans un magasin, j'avais croisé un petit garçon qui me ressemble. Enfin, dans ma tête, il me ressemblait vraiment beaucoup, quoi. J'étais avec ma mère, je lui ai dit, t'as pas vu? Elle m'a dit, non, j'ai pas fait gaffe, j'ai jamais fait gaffe. Ça se trouve, c'était dans ma tête, tout ça. C'était dans le manuscrit que j'étais en train d'écrire. L'air de l'office de tourisme était saturé d'une odeur immonde, comme si une chose rongée par la nourriture était sortie de sa tombe. Rusty crachait du sang. Mon regard fut attiré par la courbure de sa jambe cassée. L'attaque avait été pernicieuse. Max gémissait dans sa cage. Ah non, le pauvre. Les yeux de Rusty étaient remplis de fièvre et de terreur. Il murmura : Monsieur Wake, tout s'est passé exactement comme sur la page. Donc lui aussi, il va pouvoir lire la page, ou il a pu lire la page. Bah d'ailleurs, c'est pas la bagnole de Rusty, ça? Bizarre, bizarre tout ça. On sait toujours pas d'ailleurs pourquoi... Underwood National Park. Oh purée. On sait toujours pas pourquoi on arrive à lire ce qui va se passer. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, Rusty. What the fuck? Y a quelqu'un? Aidez-moi! J'arrive en petit Rusty. Rusty, ça fait un nom de chien en fait. Et le chien, il a un nom d'humain. Max. Vous m'entendez? Il est où? Il est où? Bah, t'es où, mon gars? Il est là? Au secours!
attendez. Genre le mec qui qui voit un mec mourant, il dit attendez, je vais faire le tour. Oh putain, c'est pas du joli joli tout ça. Hein. Monsieur Wake. Oh merde. Ça s'est passé ouais, comme tu exactement dis. Comme sur la page que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire, elle va venir me tuer. Il faut la lumière dans le bureau. J'ai la clé. Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. Ah ben, on est où on était, en fait. Attendez, il y a un truc à prendre, là, j'ai l'impression, non? Non, il n'y a rien à prendre. Alors, faut aller dans le bureau, je crois que c'est par là. C'est pas là, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. Attends, ton bureau, c'est... Ah oui, c'est en face, je suis bête. C'est où je voulais aller, justement. Oh putain, le bordel. La seule façon de m'assurer que Rusty allait bien... était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. Ah, Lover's Peak, c'est par là en fait. Où on a rendez-vous avec le ravisseur. Ah, la page du manuscrit. Très important ça, surtout quand il se passe tout ça. Rusty attaqué par l'ombre noire. L'office du tourisme était solide, mais l'impact avait démoli l'avant du bâtiment. Rusty fut balancé à travers l'accueil comme une poupée de chiffon et heurta le mur du fond. Il n'eut pas mal jusqu'à ce qu'il bouge, voit sa jambe pliée avec un drôle d'angle et sente sa côte cassée le poignardé. Rusty hurla de douleur et de peur, redoutant soudain de mourir tout seul. Et ouais, sans Rose à ses côtés, le pauvre. Bon, on va essayer de... On va essayer de le sauver, le petit Rusty, avant que l'ombre noire arrive. Wake atteint... Un abri au dernier de moment, je changeais de direction et me jetais à terre. La hache vint exploser un tronc d'arbre. Je titubais jusqu'à la mare de lumière vive, les poumons en feu. J'étais trop épuisé pour pouvoir bouger. Je me crispais en attendant le coup fatal, mais il ne vint jamais. Je levai la tête, rien ne bougeait dans les ténèbres. Pour l'instant, nimbé d'une lumière froide, je ne craignais rien. Ouais, donc en fait, je vous rappelle que quand on se met à l'abri des lampadaires, en fait, à l'abri de la lumière des lampadaires, en fait, on regagne de la vie. Vous avez pu le voir dans l'épisode précédent. Et surtout, on ne peut pas se faire attaquer, je crois. Il me semble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétablir le courant. En même temps, bah, on va faire le plein. Hein. Les piles, les munitions pour revolver et tout, on va pas se gêner. Il y a des bruits bizarres, par contre. Ah bah, c'est l'électricité. Oula, trop tard. Quelqu'un avait détruit le disjoncteur. Oh putain. Ah ouais, ça rigole pas à la hache quoi. Oh putain, je m'en doutais. Ça je m'en doutais, on aurait pas dû le laisser tout seul. C'est la règle numéro 1 ça. Oh l'enfoiré. Oh putain, ils sont en deux. Oh putain! Ah, enfoiré va! Il me lance des espèces de haches là, des couteaux même. Rusty, t'es où mon gars? T'es où? Oh purée! Wow. Il a fait un trou gigantesque dans le mur. Mais il est où Rusty? Et Max, le pauvre chien? Qu'est-ce qu'il est devenu? Elle est plus dans la cage. Merci de ne pas nourrir les animaux! Qu'est-ce qui se passe? Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés à pêcher dans le parc. Attends, Rusty, il s'est fait posséder là? Qu'est-ce qui se passe? Respectez toujours. Oh putain, ouais, c'est ça. Consignes du garde forestier. Rusty, non. N'approchez. Oh le fou. Ah putain. Ça c'est des espèces de boss, vous voyez. Oh purée. Les chiens doivent être tenus en laisse. Ne les laissez jamais sans surveillance. Excuse-moi mon pauvre Rusty, mais bon là j'ai pas le choix. Hein. Il est strictement interdit de sortir
Oh purée. Ah, petit bug, je sais pas si vous voyez. Bon, je sais pas si ça a bugué. J'aurais fait une petite ellipse au pire. Oh putain. Va falloir jouer des esquives là, à mon avis. Ah, j'ai plus rien dans le... Attendez. C'est parce que là, j'ai un petit problème. Mon arme ne marche plus. Attendez. Ok, d'accord. Bon, ok les amis, je finis à la souris parce que ce petit bug m'empêche de tirer tout simplement. C'est un peu gênant. Bon, heureusement, on s'en est bien tiré. Ah si, c'est bon en fait. Je sais pas ce qui se passait. Voilà, momentanément, j'ai pris ma souris. Bon bah, à plus de Rusty, hein, j'ai envie de dire. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ah purée. Ouah la vache. On peut pas passer par là? Ah si, on peut passer par là. Bon, y a de la lumière. Là, ça fait plaisir quand il y a de la lumière. Point de contrôle atteint. Bah écoutez les amis, pour pas faire un épisode trop long, on va se laisser là, hein. Ça va être beaucoup le cas de toute façon dans Alan Wake. Il va y avoir des épisodes quand même assez longs, surtout que je vous laisse les émissions de radio et les émissions de la zone X, la Night Springs. Donc voilà, on a discuté de pas mal de choses, de l'intro qui va arriver prochainement sur la chaîne, je vous tiens au courant. Enfin c'est un petit truc, c'est pas très très important. D'Alan Wake 2, ça, très très bonne nouvelle. De Funny Couch, c'est... Ah oui, du coup je vous ai pas parlé, on va continuer un peu... de cette petite chaîne YouTube en fait. C'est un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur pour une petite chaîne YouTube. Petite par le nombre d'abonnés mais grande par l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un truc par la fenêtre. J'ai vu quelque chose. Oublie ça Barry. C'est juste moi qui délire. Ah ce troll. Hein. Ce troll d'Alan Wake. J'aimerais bien que tu délires, mais tu délires pas. Al, sois prudent. Reste dans le chalet. N'ouvre la porte à personne. Je suis sérieux. Purée, j'espère qu'il va pas se faire choper par l'ombre noire, lui aussi. Alors, ne nourrissez pas des animaux, d'accord. Une petite chaîne YouTube qui s'appelle Funny Couch. Donc, le canapé rigolo, n'est-ce pas? Et en gros, c'est une bande de potes. C'est très bien réalisé, je trouve que c'est très très pro. C'est pour ça, entre autres, que j'aime cette chaîne. C'est très très pro en fait, c'est une bande de potes qui testent des jeux. Alors ils font pas que les tester comme moi par exemple. Ils donnent des anecdotes dessus. Parfois il y en a un des quatre, parce qu'ils sont quatre, ou un des deux qui testent le jeu pendant que les autres commentent en direct, enfin en direct en même temps, qui donnent quelques petites anecdotes, se critiquent celui qui joue aussi. Mais c'est très bien fait, c'est très pro, franchement j'aime beaucoup. Après le seul reproche entre guillemets, c'est que ils sortent pas beaucoup de vidéos, mais d'un autre côté autant privilégier la qualité à la quantité, j'ai envie de dire. Alors, les dernières pensées de Rusty. Pour ce dernier moment de conscience, Rusty pensait à Rose. Il était plus vieux qu'elle. Rose sortait à peine de l'adolescence, mais elle le faisait se sentir jeune et oublier le naufrage qu'avait été son mariage. Il portait encore son alliance. Il avait attendu qu'elle lui demande de l'enlever. Maintenant, elle ne le ferait jamais. Oh non, c'est triste. Oh, le pauvre Rusty. Bon, va falloir qu'on fasse tout ce chemin, là. Ça va pas être tout rose, à mon avis. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là, maintenant. Voilà, maintenant que je vous ai tout dit. Alan Wake, l'intro, Funny Couch, je vous mets le lien dans la description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Une toute petite chaîne qui mérite à mon sens beaucoup plus d'abonnés. Enfin en tout cas les amis, on se laisse là, j'espère que cet épisode vous aura plu. À chaque fois que je sors d'un épisode d'Alan Wake, je me dis j'ai pas fait assez bien parce que ce jeu est tellement énorme que j'ai envie de lui rendre hommage entre guillemets. Mais bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un petit message sur Twitter, sur Facebook et dans les commentaires de cette vidéo. Aussi n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, bande de petits coquins. Allez, salut les amis, on se retrouve très bientôt pour un autre jeu, soit Eoni, soit a priori ce sera Knock Knock. Voilà. Allez, salut tout le monde et attention à l'obscurité.